Bonjour, bienvenue, un peu plus de Evil Dead The Game. Donc je voulais parler des tueurs et faire des sortes de petits guides. Enfin, c'est un peu présomptueux en fait de dire des guides, mais en gros présenter comment je vois chaque tueur. Aujourd'hui on va parler du marionnettiste. Je vais expliquer ses points forts. C'est le premier tueur que j'ai maxé, que j'aime beaucoup. Et pourquoi j'ai choisi en fait certains skills et ce qui est fort en fait dans le tueur évidemment. Donc on va parler déjà de l'armée. Donc le boss extrêmement puissant, surtout avec la vague télékinétique qui va toucher en fait dans un rayon qui peut toucher en fait tous les survivants tout simplement et qui fait extrêmement mal, genre 200, 300 de dégâts. Vraiment pratique et qui a un très très petit cooldown en fait. Donc vraiment pratique. Et ce qui est bien avec ce boss, c'est que la façon dont il attaque, il se téléporte et tout ça. Et quand il bouge, vous pouvez bouger autour des survivants, vous allez être complètement invisible. Donc quasiment intouchable honnêtement, parce que c'est vraiment pure transparence quoi. Donc un des boss je pense le plus intéressant, et il est extrêmement rapide aussi et il a des bons dégâts, donc vraiment un très bon boss. Et après on va parler des deux unités. Donc déjà les unités de base, en fait sont plus ou moins inutiles pour ce tueur, c'est à dire qu'elles vont souvent en fait faire autodestruction même seules, elles ont très peu de vie, vous voyez que dégâts et défense c'est 1, donc c'est très peu, donc elles vont se faire one shot la plupart du temps par un coup de masse ou quoi que ce soit. Par contre c'est vrai qu'elles ont une très grande vitesse, donc elles vont souvent foncer en fait sur les survivants, leur mettre un coup et après tout simplement mourir. Et la plupart du temps c'est vrai qu'elles vont des fois même pas mettre un coup, elles vont directement faire autodestruction. Alors c'est bien autodestruction, mais on va dire que maintenant les gens ont compris que vous faites espace, vous allez esquiver en fait tout simplement, et vous avez des frames en fait d'invulnérabilité en plus quand vous esquivez, donc c'est pas seulement une esquive, c'est vraiment une esquive où vous êtes invincible. Donc même si vous esquivez en fait dans l'explosion, vous allez pas vous prendre de dégâts. Donc encore une fois, c'est bien pour les débutants en fait, c'est extrêmement chiant pour les débutants qui savent pas esquiver l'autodestruction, mais sinon si vous vous combattez des gens qui connaissent un peu le jeu, ça va être extrêmement difficile de les toucher avec ça. Donc les unités de base on va les laisser, on va essayer de pas augmenter genre leur HP, leurs dégâts et tout ça, parce qu'elles sont plus ou moins inutiles. Maintenant la puissance en fait je pense de l'armée, en tout cas pour moi, ce sont les demi-héligos. Donc ils ont une très très bonne attaque qui est le coup de foudre, et je crois un cooldown de 10 secondes, un truc comme ça. Et ça fait extrêmement mal, et ça a une très très grande zone, et ça peut toucher bien sûr tous les survivants d'un coup. Et je pense que ça c'est vraiment on va dire, ce qui brille dans l'armée du marionnettiste. Et surtout ce que vous pouvez en fait vous dupliquer. Les deux en fait, votre clone peut faire le coup de foudre aussi, et bien sûr si vous ne contrôlez pas l'unité, elle peut aussi faire coup de foudre évidemment. Donc le coup de foudre est vraiment bien, ça va toucher en fait en plus à plusieurs niveaux, genre si le survivant est au dessus au niveau supérieur dans un bâtiment, ça va le toucher. Voilà, c'est extrêmement chiant à esquiver, il va avoir de la foudre partout, surtout si vous arrivez à faire apparaître en fait plusieurs élites, vraiment une très très bonne chose pour ça. Donc voilà, on va se concentrer en fait sur les demi-héligos. Donc maintenant on va parler des compétences. Donc la compétence active du marionnettiste en fait, c'est que vous allez donc posséder une unité, et vous avez gratuitement en plus, hein, vous n'avez pas besoin de ressources pour ça, et vous allez avoir plus de santé et plus, vous faites plus de dégâts, et leur attaque augmente la peur ressentie par les cibles, par leurs cibles. Donc et après ça fait que augmenter évidemment. Donc déjà ça c'est bien, et encore une fois on reparle du fait que si on utilise les élites, on va pouvoir toucher plusieurs survivants en même temps, donc du coup on va augmenter leur peur et tout ça, donc très très bonne chose à savoir. Maintenant pour les points, donc là par exemple je suis allé récupérer à l'épreuve du temps, parce que c'est vrai que d'augmenter en fait la durée des événements, donc récupérer la page et récupérer la dague de Kandar, c'est bien parce que c'est le moment en fait où vous allez faire le plus de points, c'est à dire vous allez taper, vraiment combattre les survivants parce qu'ils sont obligés de rester au centre, et c'est là que vous faites le plus de points possible. Donc plus vous pouvez faire durer ça, et mieux c'est. Donc on récupère tout simplement ça, et bien sûr on récupère des ressources un peu en plus. Mais après maintenant on va parler des skills intéressants. Donc déjà, comme j'ai dit, le coup de foudre est extrêmement puissant. Donc on augmente la portée et on augmente les dégâts, donc 3 et 3. Et après on va directement récupérer donc les dégâts infligés par les clones. Comme ça du coup s'ils font coup de foudre, là aussi ils vont faire énormément de dégâts. Après nous avons plus de santé pour les unités d'élite, parce que c'est vrai qu'elles sont assez fragiles encore une fois. Les unités d'élite elles ont seulement 2 défense encore une fois. Mais voilà, elles peuvent assez résister si vous augmentez ça. Après nous avons les attaques de médecine.
des unités maléfiques augmentent la peur des survivants, donc toutes les unités en fait vont augmenter la peur, ça c'est bien, et surtout que encore une fois si vous en contrôlez un avec la possession puissante, vous utilisez un élite, vous utilisez la foudre, etc. La peur va être tout le temps dans le rouge pour les survivants, donc vraiment vraiment bien. Voilà, après pour la ligne d'en dessous, donc augmenter les dégâts du coup de foudre, on va zapper ça, on est obligé de mettre un point pour passer au skill suivant. On a réduit le temps de recharge entre chaque placement de portail d'élite, hein, parce qu'on va vraiment surtout jouer avec les élites. Après nous avons rallongé la barre d'équilibre de l'unité d'élite, donc si vous avez un, on va dire un survivant qui n'est pas extrêmement puissant par rapport à l'équilibre, vous allez résister beaucoup plus facilement parce que la plupart du temps en fait ils vont vous mettre un coup de masse et vous allez perdre votre barre d'équilibre en une fois. C'est extrêmement extrêmement frustrant, mais avec ça ça passe un tout petit peu mieux. Et après nous avons les attaques de mêlée d'Eligos, donc le boss inflige des dégâts de saignement pendant une durée limitée, cet effet peut être cumulé, donc ce sont juste des dots, hein, des dégâts gratuits on va dire, donc on le prend. Et après nous passons, donc augmente les dégâts infligés par les unités d'élite, donc on a 10% d'unités d'élite en plus, on a augmenté les dégâts du coup de foudre, on a augmenté aussi les dégâts des clones, donc voilà, ça fait beaucoup en fait de boost pour l'élite et surtout pour le coup de foudre, donc ça va faire extrêmement mal. Et après bien sûr on a juste récupéré les dégâts de l'unité de boss, encore une fois le boss avec la vague télékinétique qui est extrêmement bien, et bien sûr ses attaques normales, c'est R1 si vous voulez. Et après pour les trois là, donc il y a la portée de la vague télékinétique qui est intéressante, mais honnêtement le boss on va surtout l'utiliser quand on fait les événements, donc la page du Necronomicon ou alors la dague de Kandar, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'une très très grande zone pour la vague télékinétique, donc honnêtement pas vraiment besoin, mais on va récupérer quand même, augmente les dégâts infligés par les compétences d'autodestruction et augmenter la portée de l'autodestruction, car encore une fois ils vont faire que ça les unités de base, donc voilà, encore une fois pour ça je suis pas trop certain de mes choix, on va dire que j'ai dû mettre des points pour débloquer des compétences avancées, mais je pense que ça peut être intéressant, on va dire que si quelqu'un fait pas trop attention, on va dire imaginez que vous avez des très bons survivants et qu'il y en a un qui fait pas trop attention, bah il se prendra une grosse bonne décharge dans la gueule d'autodestruction, ça peut être intéressant et ça peut semer la panique surtout. Et encore une fois ce sont des AOE, donc encore une fois vous allez pouvoir, c'est là, les attaques de mêlée des unités, ah oui c'est les attaques de mêlée, j'ai rien dit, j'allais dire que ça pourrait générer de la peur, mais je pense pas que les autodestructions génèrent de la peur de base. Mais voilà, en tout cas on a augmenté la portée et les dégâts. Donc ouais, on va aller faire un match complètement au hasard, c'est parti. Donc ouais, je pense avoir plus ou moins expliqué comment je vois donc ce tueur. Donc on va surtout jouer avec les élites, ce qui sont les plus intéressants. Après pour le match, comment ça va se dérouler? On a trois phases, grosso modo, enfin même quatre. La première phase, c'est les trois morceaux de cartes. C'est là où vous allez plus ou moins placer des pièges, passer le temps pour augmenter en fait votre niveau. Et après, si jamais vous avez des survivants qui font des erreurs, genre par exemple faire du bruit, prendre une voiture, paniquer, etc. Là, vous allez aller sur eux et on va commencer à s'amuser avec. Et après vous avez la deuxième partie qui vont être la page ou la dague, et c'est là que vous allez faire le plus de points possible et potentiellement en fait tuer donc les survivants. Et après vous avez donc les Dark Ones, les démons supérieurs que vous allez devoir protéger, et on va voir un peu ce que ça donne. Par contre, une seconde, désolé si le son... hop là, voilà. Alors, on va regarder un peu l'équipe. Donc, on a deux PlayStation, un Xbox et un PC. Donc, honnêtement, déjà, c'est pas un groupe. Hein, on est quasiment certain que c'est pas un groupe. Donc, ça devrait pas être trop compliqué. Donc, ça devrait être assez facile de vous montrer, en fait, comment on se déroule le match tranquillement, on va dire, tranquillement. Si jamais ils sont vraiment mauvais, hein, ça arrive... qu'il y en a un qui part à l'ouest et l'autre à l'est. J'essaierai de jouer un peu avec eux pour essayer de vous montrer en fait comment je suis censé jouer contre un bon groupe. Mais voilà. Donc le début, ça va être de poser des pièges et de monter de niveau tout simplement. Et on va mettre les niveaux dans pièges pour augmenter la peur et avoir des élites en fait. Surtout à chaque piège qu'on met.
Car ça nous donne en fait des élites pour seulement 25 points. C'est vraiment vraiment bien. Ok, c'est parti. Donc on a Pop à côté de la carte, de la page, pardon. C'est pas si mal. Donc on va passer les pièges. Très bien. Là on a une maison. Putain. Ils ont, on va dire qu'on a une grande chance qu'ils aillent dans la maison vu qu'elle est à côté. Donc on va placer des pièges à l'intérieur. Très bien. On voit aussi ça, les arbres. Les arbres, c'est très très important pour la peur. On a déjà un point. On va mettre piège 1. Pas de coffre. Pas de coffre. On a encore 35 points. Il va falloir en récupérer quelques-uns. On est à combien de la dague? 200 mètres, ça va. Bon, à côté de la voiture, ça peut être pas mal. Voilà, très bien. Et on va pouvoir partir parce que je commence à manquer de boules. Cet arbre là, je l'ai pas activé. Les arbres sont vachement intéressants à activer car la peur en fait va pouvoir sauver votre vie souvent. Enfin, en tant que tueur, en tout cas, ça va vous aider à tuer les gens. Surtout que beaucoup de gens font pas très attention à leur peur. Ok, ils ont déjà trouvé une page. On va mettre des mini-haches, parce que les mini-haches, en fait, volent les munitions des gens. Et c'est un des trucs les plus chiants au monde, honnêtement. Quand je joue à Amanda en survivant, honnêtement, et que je tombe sur des mini-haches, je pleure parce que tous mes, toutes mes munitions partent la plupart du temps. Donc, ils ont déjà trouvé une page, on les a pas vus sur la carte. Ouais, là l'endroit est pas trop... Enfin c'est un peu pourri à défendre honnêtement. Ok, on a ça. Donc déjà maintenant tous nos pièges vont, vont faire apparaître des élites. Et nous, comme j'ai dit, on combat avec des élites. Donc très très important. Très bien, on va mettre portail de base pour pouvoir utiliser notre nos pouvoirs en fait quand on marche. Ça permet d'augmenter l'expérience. Comme ça. Je sais pas trop où aller, ils ont pas fait d'erreur pour le moment. Donc on peut un peu se balader dans les grandes zones. En théorie on est à l'opposé. Des survivants, mais bon, ils ont pu bouger depuis là, depuis qu'on a commencé. On n'a pas de page à l'intérieur. Je cherche surtout des coffres. Les coffres, en fait, donnent énormément d'expérience. Fait du bruit, ok, ok, parfait. On les a trouvés, on y va. C'est parti. Bien, je voudrais bien que quelqu'un active mon piège. Il suffit de demander. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, un petit 140k dans la tête. Voilà, avec l'élite qui tape aussi, c'est bien, on a fait tomber un. Très rapide. Là, vous voyez que le clone est mort très vite. Hein. Et là, on a quand même beaucoup de vie hein, pour un élite. Vous voyez, hop, un peu plus de dégâts électriques. L'équilibre aussi tient énormément bien, honnêtement. On va faire un coup d'électrique avant qu'on meure, encore une fois. Hop, voilà, très bien. Voilà, très très bien. On va leur faire peur. On va mettre ça. Ça les fera exploser. Faudrait que je regarde un peu les combats. Explosion si ça marche bien. On a un coffre ici mais ils l'ont ouvert. On a déjà 4 points.
On va mettre hop, dans possession. On va pouvoir réinvoquer un élite s'il reste là. Voilà, très bien. Voilà. Ouais, notre équilibre, franchement, est pas mal. Comparé à la d'habitude. Encore un petit coup, on devrait en mettre encore un à terre. Ouais, on a une bonne équipe. On a une, des bons HP aussi. Voilà, très bien. Donc déjà, là, on est pas mal. On les a déjà foutus dans la merde. Donc on a épuisé un peu leurs ressources. Il va là-bas, donc j'imagine que la carte est là. Je dirais. Faut voir un peu où ils vont, en fait. Ouais, ok. La carte doit être là. Très bien. Est-ce que... Ah ouais, non, il a fait le finisher, donc il n'y aura pas d'explosion. Dans le piège, très bien. Il faut des points. Ok, on peut prendre possession gratuitement. Vous avez vu qu'il a, il est directement passé en peur. Ouais, on peut vraiment bien durer avec notre équilibre augmenté là des points. Et il revient très vite. Hop, encore un peu d'électricité. Ah merde, ils m'ont bloqué. Est-ce que je vais pouvoir la placer avant qu'il me tue? Ouais. Voilà, très bien. On va se libérer, ça sert à rien. Très bien. On aura notre boss déjà qui est prêt. Est-ce que l'autre va revenir? Non. Il me faut des points. Est-ce qu'il a tué les deux? Ouais, il a tué les deux, ça marche. Où est-ce qu'il va? Camping de Lucie? Peut-être la page? Oh merde, il est passé en jaune, fais chier. Je voulais le posséder en fait, mais il était dans la voiture, dans la maison. Très bien. Bien, bien, bien. Ah oui, il joue, ok, il joue avec une arme rapide parce que lui il fait des... C'est celui-là qui soigne. C'est le H qui soigne. Et ouais. Vous avez vu que même l'électricité, il peut facilement l'esquiver, hein, il est invincible. Ça c'est le clone qui a lancé ça. Ah putain, qu'est-ce que c'est chiant ça. Bon, c'est pas grave, on va virer. J'ai pas envie de faire le tour, ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Très bien. Voilà. Hein. Allez, recharge. Mais t'as rechargé. Ah, ok. Énorme. Ok, très bien. On va le posséder. Faire de l'électricité. Voilà, comme ça tu réanimes pas ton pote. On a déjà 5 points. Aussi, ils sont très résistants aux dégâts de balles. Tout ce qui est arme à feu, ça fait quasiment aucun dégât sur les élites. Ouais, très bien, on va faire ça. Donc là, on a dégâts et santé de l'unité plus 25%. Extrêmement puissant maintenant l'élite.
Et quand on va les posséder, ça va être encore pire. Ça va être carnage. Il leur manque encore un morceau de carte. On est déjà niveau 16. Honnêtement, ça va être carnage. Hein. Hop. Voilà, on contrôle avant qu'il meure. Voilà, très bien. Il fait chier, lui, à soigner. Voilà. Quand on tape, on leur fait peur. On va faire un peu d'électricité. Il est pas mal, mais il s'est loupé. On va taper lui parce qu'il est pas, il a pas peur. Ils sont très résistants à nos élites, hein, au final. Voilà, très bien, les rouges. Merde, ça marche. Bien, restez à deux, c'est bien. Hop. Voilà, parfait. Voilà. Va-t-il mourir? Yes, on l'a tué. Possession au max aussi. Donc maintenant, réduction de coups de maintien, dégâts en plus, santé en plus. Donc on va quand on va manipuler nos élites, ça va être gros carnage. On est déjà niveau 21. Ils ont juste complété la carte maintenant. On a déjà tué quelqu'un. On a tué déjà une personne. Les élites font extrêmement mal. Là, j'aurais pu le foncer sur lui et le bloquer. Mais pas eu le temps. Ah! Il fait chier, l'autre. Là, je crois qu'ils m'ont juste tapé, en fait. Voilà, très bien. Le manœuvre active un piège. Donc, lui, il est à la page. S'il active la page maintenant, ils sont morts. Ils sont complètement morts. Enfin, surtout celui-là qui est à la page. On va essayer de mettre des pièges sur le chemin, parce que là ils sont 3, c'est le plus intéressant honnêtement. On va pouvoir faire ça et le contrôler. Honnêtement, l'élite seule est vraiment très puissant, donc bon. J'ai pas trop peur en fait. Par contre, j'ai pas trop de pouvoir en fait. Attaque lourde, 196 de dégâts. Voilà, un de plus. Bien joué. Ah merde! C'est pas grave. Restez ensemble. Merci. Est-ce que ça va le toucher? Hop là! Ça fout la merde, hein, cet électrique. Hein. C'est magnifique. Ce qui est bien, c'est que même s'ils font que soigner, parce que là honnêtement j'ai pas assez de pouvoir et tout ça, en fait ils perdent énormément de ressources et moi je prends plein de points. Genre ils ont plus de soins, ils ont plus de boucliers, ils ont plus rien. Ah putain, le truc est pas passé. On va faire boss. Voilà. J'ai pas l'impression que ça vaille le coup, les points qu'on a mis dans... Oh, il a activé la page, il est ouf. Il est fou. Je pense pas que ça vaille peut-être le coup, les dégâts de l'autodestruction et tout ça. Donc le mec, il a signé son arrêt de mort. Il est seul et ma barre va faire que augmenter constamment. On a notre boss prêt.
Faut que je reste dans le cercle, comme ça, ça dure plus longtemps. Yeah, très bien. Ok, mort, mort, très bien. On n'a même pas besoin du boss maintenant. C'est fou hein, ce cooldown d'électrique. Hein. Ah, ils sont sortis de la zone, donc du coup la page redescend. L'autre il est allé réanimer les gens, donc c'est pas grave, on s'amuse. Là ils ont perdu honnêtement, on est déjà niveau 23, 27 pardon. Là ils ont perdu. Voilà, quand il tire, très bien. Hop, plus besoin de ça. Voilà, très bon. Bon, on a gagné, hein. Là ça sert plus à rien de jouer. Là c'est fini. Hein. Il faut juste les tuer tout simplement. Ou alors on peut jouer. Mais vu le temps de la vidéo, on va juste les tuer tout simplement. Donc il reste plus que lui. On va s'amuser un peu avec le boss. Il est où ? Il est monté. Ah putain, je l'ai loupé. Fait chier. Je vais l'attraper et l'électrocuter. Classe. J'aime beaucoup ce boss, il est vraiment fun à jouer. Et en plus on peut voir la différence en fait, c'est que eux ils ont fait le maximum, c'était 6600 le premier il a fait. Donc ils ont merdé, ok. Quand vous arrivez pas à 10 000, c'est que vous avez pas vraiment fait grand chose honnêtement. Mais moi j'ai fait déjà 33 000. Normalement quand il y a des combats comme ça qui durent pas longtemps et tout ça, on fait plutôt dans les 20 000 en tant que tueur. Mais là du coup en fait on a fait énormément de dégâts, on les a touchés énormément, dégâts infligés aux survivants 23 000 hein, en tout. C'est énormissime. Donc du coup on a beaucoup de points. Donc ça montre bien que le fait de foutre de l'électricité partout ça marche très très bien. Donc ouais. Donc pour revenir sur les skills, les habilités qu'on a choisies, à la limite, il y en a une qu'on n'est pas trop sûr ce que ça soit vraiment utile, c'est ces deux-là. Donc c'est le rayon de l'explosion et les dégâts infligés par l'autodestruction. Est-ce qu'on pourrait les enlever et mettre autre chose à la place? Honnêtement, je pense pas que... C'est un peu comme vous voulez. Genre le boss résiste mieux aux dégâts d'équilibre, on pourrait, ouais, on pourrait faire ça. Ou alors les santé maximum de base, non ça on s'en fout. La barre d'équilibre des unités de base, on s'en fout aussi. Réduit le temps de placement de base, non on s'en fout aussi. Honnêtement ça je pense que c'est... des fois ça marche pas, point barre, c'est comme ça. Mais après tout ce qui est dégâts pour les élites avec l'électricité, l'augmentation de leur vie surtout, comme ça ils crèvent pas. L'augmentation de la barre d'équilibre vraiment bien, on peut les placer plus souvent aussi pour moins cher. Tous les mêlées, bon ça c'est le saignement, non c'est ça voilà. Dégâts de mêlée magnifiques augmentent la peur des survivants. Ça aussi, vous avez vu qu'on les tapait, ils étaient orange, puis après ils passaient dans le rouge. Donc voilà, c'est comme ça que je joue le marionnettiste, mais je crois que c'est sûrement possiblement le meilleur build que vous pouvez créer. Après, libre à vous de faire des tests, de jouer peut-être avec plus les unités de base et tout ça, voir si ça marche. Mais en tout cas, pour moi, ce sont les élites qui priment et qui font vraiment tout le boulot. Extrêmement puissant et surpris de leur résistance aussi. Quand on a ça, la santé plus l'habilité qui est augmentée au max et tout ça. Et très pratique, là, coup de foudre toutes les 10 secondes. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo de sorte de guide. J'espère que vous aurez aimé. À la prochaine, merci beaucoup, ciao ciao.